pour essayer de séparer les câbles avec l'électricité. C'est quoi ça? C'est ça. Ok, celui-là, on peut le passer là. Là, c'est les grosses caisses. Dylan, tu... Ouais. C'est bon pour toi, Dan? C'est pas trop fort? Dan? Ouais. Mais c'est 110, ouais. Hein, qu'il faut mettre. Hein. Je t'entends. 112. Tape sur la batterie pour voir, parce que... 110 ou 112? C'est 110, en fait, et on jouait à 112, c'est ça? Le, on mettait 100 parce qu'on n'avait pas 102 sur le médiator. Ah, bah, c'est 100. La bonne valeur. 102. Hein. 102. Ah, putain, il est chanceux. Ah, putain! T'as pas un truc pour le... Non. Est-ce que vous avez de la batterie dans le retour? Non. C'est normal? Bah oui, on l'entend en acoustique, quoi. Parce que c'est compliqué de remettre la batterie. Hein. Je suis trompé de la piste, elle a changé, merde. Bon, bah, si vous êtes prêts, si vous êtes d'accord, messieurs. Attends, on va peut-être se faire une petite prise avant, non? Ah, bah non, on y va, hein. On n'arrivera pas à la sortir comme ça, il faut la répéter, attends. C'est pas toi qui joue, c'est Dan. Dan, s'il est bon, il est bon, ok? Tu la joueras quand tu la joueras. Vous êtes prêts? Ouais. Je lance. Attends un petit peu pour pas qu'on ait le bordel. C'est quand tu veux. J'avais pas compris qu'on enregistrait là, je suis désolé dans ma tête. Ah, ça va être bon, hein, ça va être bon. Par contre, je vous ai vachement fort, vous. Hein. Je vous ai vachement fort, bon, c'est pas très grave, ça couvre mais un peu le clip. On peut baisser, hein. Vous? On peut se baisser, nous. Un tout petit peu, alors, pour moi. Je ne bouge pas le clic, quoi. Pardon? Je ne bouge pas le clic. Non, bouge pas le clic. Le clic reste là je me baisse, nous, quoi. Non. Non, mais je me baisse, moi. Non, mais c'est bon, Romain, laisse tomber, c'est jouable pour moi. 1, 2, 3, 4. Non, ça va pas, Dan. Faut que tu tapes, parce que quand on va mettre la guitare, Bah, faut que je tape. Allez, ça va pas faire. Ouais. Tu peux parler là. Vas-y. 1, 2, 1, 2, 3, 4. On est bien en fait, hein. On est pas si mal que ça du tout. Hein. C'est pas perceptible en tout cas, de toute façon là. C'est bien ça. Là on est top là sur le. Alors, comme ça quoi. Tu vois, on... Ouais, non, ça pas, je peux pas. Parce qu'il y a le... Vas-y, essaye là, tâche là, voir. Non, avant. Il faut mettre l'attaque. Ah, mais là, on est sûr, tu peux la prendre quand tu veux. Ouais. Dan, on t'avait dit de faire attention. On t'avait dit, Dan, fais attention. Le son clair à la limite. Non, mais le son clair, on fait une piste. Le son saturé, tu m'enregistres deux pistes. Dès que je suis en crunch, donc c'est parti pour le morceau. Et puis les deux petites parties claires. Mais pourquoi j'enregistre pas tout? Après, tu simples, tu.
Et tu réduis ce que tu mets pas, c'est tout. On enregistre tout sur les deux. Ouais, ouais, c'est tout sur les deux. Et moi, je voudrais, pour les quals, pour gérer les niveaux, je préfère avoir deux pistes claires et deux pistes saturées. Qui ont un peu changé dans le truc. Tout ce que je vais faire, c'est des trucs qui ont été faits en répète. Donc ouais. Si on me demande d'interpréter autrement, on va avoir le même débat que l'autre fois. Ah, mais je dis moi, pas je chante toujours pareil. Je dis pas l'interprétation. Donc après, on peut appuyer un truc, mais si on me dit dans l'interprétation, faut que tu la chantes comme ça, faut que tu tu la fasses plus rock et tout, je vais vous dire, les gars, faut écouter en répète. C'est tout, parce que moi, je vais la faire recto pareil. Verso, tu nous l'as fait, verso, s'il te plaît. Donc voilà, parce que si on a toutes les phrases, on commence à dire ouais, faut changer, moi je veux bien, mais je vais la faire pareil. Donc c'est pas des trucs de surprise. Tu vois ce que je veux dire? Mais autour, j'ai toujours fait comme ça, vraiment. Ouais, mais je suis pas surpris, mais juste qu'en répète, moi je l'entends pas aussi bah, bien. Ouais, mais c'est bien ça le problème, c'est parce qu'après, quand on entend, c'est hyper chiant de changer une interprétation. Quoi. Ouais, mais c'est dur d'entendre en répète. Ne soutiens pas trop les trucs, alors que toi tu le fais depuis 7 mois en répète. Ah bon, vas-y, on va le faire. Stéphane, il est levé. Hein. Vous êtes pas lavé, les mecs? Tu crois qu'on a accès à la faute, les séries? On a un groupe de rock ou pas? On les voit faire, on sent la bière et la transpiration. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Nos femmes, elles ont besoin de. La bière! Besoin de sentir la testostérone, tu sais. Même moi, attends. Jefferson. Même moi, quand je transpire, je sens bon. Je commence à revenir à toi. Alors ça... La transpiration. Transpire le guitariste. Ouais, je transpire de joie, de bonne humeur et de musicalité. T'as fini là? J'ai une petite pièce si tu veux là. Non mais ça rentrera pas. Attends. Ça rentrera pas. On va mettre celui-là, tiens. Oui, il est attends, je vais faire rentrer. Moi je fais toujours tout rentrer. C'est toi qui est un peu pour rien. Ah oui, là c'est un peu trop fort. C'est un peu pour rien. Je prends une pince, tu sais. Je pense qu'elle est mieux, ça vient. Ouais! Essayez de regarder au loin, pas forcément la caméra quoi. Tu veux que je me vote quoi? Non mais. C'est ça que tu veux. Non mais essaye de pas regarder la caméra, regarde par là ou je sais pas. Attends que tu peux avoir le. Déjà on descend pas la caméra dans les poches. Ouais! Hey Charles! Tu vois putain, tiens si on dort! C'est clair! Qu'est-ce qu'on fait en fait? Parisien ouais. De loin, hein. On peut faire ça peut-être hein. Ouais. T'es posé combien de Parisien de loin déjà? C'est ça ensemble. Vas-y. Reste comme ça. Fabrice, un petit peu. Ouais, c'est bon. Je suis bien comme ça là. Un petit peu plus par là. Encore, top. Voilà. À 4, on fait Parisien de loin. D'accord, tous ensemble, en regardant la caméra.
2, 3, 4. Parisien de loin. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. Parisien de loin, si tu es Parisien de loin, appelez les périls au Paris, un homme à la dessin. Ils sont bien dorénavant, il n'y a que leur pote qui râle maintenant. Partir pour les retrouver, ça le fout le plus de ces kilomètres. Exilés, ils s'en foutent quand ils voient prendre la route. Plus question de soirée trop arrosée. Ils sont beaucoup trop âgés, finis les soirs par un BTP. À eux la paix, tranquillité. Dans la nostalgie, les gagnent parfois. Ils disent que Paris, c'est quand même beau, ma foi. Venus pour leur terre, désirent.